Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du conseil municipal du 6 juillet là, 2020. C'est en présence de l'ensemble des conseillers et conseillères et c'est enregistré là, tel que l'exige l'arrêté ministériel du 26 avril dernier, à laquelle là, sont présents les conseillers Mme Josée Saint-Pierre au district numéro 1, Mme Annabelle Vachon au district numéro 2, M. Pascal Lessard au district numéro 3, M. Alain Laflamme au district numéro 4, M. Marco Bernard, district numéro 5, et Mme Émilie Roberge au district numéro 6. Ça forme le quorum avec ma présence sous la présidence de François Barry comme maire et Manon Vachon qui assiste également à cette séance comme directrice générale. Alors, bienvenue tout le monde. Alors, l'ouverture de la séance à 19h33. Alors, lecture et adoption de l'ordre du jour. Ouverture de la séance en point 1, adoption de l'ordre du jour en 2, l'adoption des procès-verbaux en 3 du 1er juin et du 22 juin dernier, les dossiers en cours, les affaires administratives. Ensuite de ça, dans les affaires administratives, les comptes à payer, la participation au transport adapté, la refonte de notre site web, la correspondance, les loisirs et la culture, on a un permis de réunion pour le parc Oasis, l'embauche du coordinateur de soccer, la tarification pour l'inscription au soccer aussi, et en 8, les travaux publics, le dépôt à neige, l'autorisation de signature pour l'offre de WSP, l'entretien des espaces paysagers, l'embauche du journalier d'entretien général, l'affichage d'un poste pour le journalier d'entretien général à temps partiel, l'acceptation pour la soumission du pavage, l'acquisition d'une tablette pour la gestion des actifs et en 8.9, l'acceptation, soumission, lignage des rues. En 9, l'urbanisme. En 9.1, la réglementation pour les poulaillers urbains, la vie de motion. En 10, incendie. 10.1, la démission d'un pompier. En 10.2, la nomination d'un nouvel officier. En 11, la prochaine séance et la levée de l'Assemblée en 12. Alors, c'est proposé par Monsieur Pascal Lessard. Merci. Alors, en point 3, la séance ordinaire du 1er juin, la lecture du procès-verbal de la séance du 1er juin est dispensée. Les élus ayant reçu un exemplaire de celui-ci, puis ont pris connaissance du PV avant la dite séance. Alors, il n'y a aucune omission qui a été constatée. Alors, il est proposé par les conseillers d'adopter le procès-verbal de la séance du 1er juin 2020. Proposé par Annabelle Vachon. Merci. Ensuite, la séance spéciale du 22 juin. La lecture de la séance spéciale du 22 juin est dispensée. Les élus en ont reçu aussi un exemplaire, ils en ont pris connaissance. Alors, on avait vu une petite modification, hein, Mme Robert? Exact. Donc, au niveau de l'embauche des animateurs de terrain de jeu, soit juste de modifier que Alissa Poulain et Félix-Antoine Poulain sont à temps partiel, tous les deux, et non à temps plein. Parfait. Alors, avec la modification, c'est proposé par? Je le propose. Émilie Roberge. Merci. Alors, les dossiers en cours. Mme Saint-Pierre. Oui, excusez-moi, je n'avais pas un bon micro. Il n'y a pas grand-chose. C'est que la bibliothèque va rouvrir après la période de vacances pour se donner le temps de respecter toutes les consignes requises par la santé publique. Parfait, merci. Madame Annabelle Vachon. Oui, dans le fond, la maison des jeunes, on est réouvert depuis jeudi passé avec les membres de la santé publique. Donc, pour cette année, on va être ouvert seulement les soirs. Du lundi au vendredi de 6h30 à 10h30. Et pour mon dossier au niveau jeunesse, il y a une consultation qui va avoir lieu dans les prochaines semaines au niveau web. On devrait aller dans les écoles, c'est pour les 15-30 ans, on devrait aller dans les écoles à l'automne. Sinon, j'invite tout le monde qui a 15 ou jusqu'à 30 ans à aller voir la page Facebook Stratégie ADN Jeunesse. Parfait, merci beaucoup. Alors, M. Pascal Lessard. Bonsoir. Au niveau de la Chambre de commerce, j'ai fait des vérifications. La fusion est toujours entre les mains de Développement économique Canada. À l'Arena, divers travaux sont faits ou en cours, dont la rénovation du banc des joueurs, puis
puis des travaux de peinture là, qui seront à venir. Pour le comité embellissement, le nettoyage du talus de la route 112 est commencé. Puis aussi là, le taillage et puis le remplacement, s'il y a lieu, là, des arbres là, le long de la route 112 qui sera fait. Puis il y a aussi le nettoyage là, des différentes plates-bandes là, à travers la municipalité. J'ai aussi rencontré M. Francis Lessard, emballage B, là, pour l'affiche là, de notre parc industriel. Cette rencontre-là a été très positive. Là. C'était vendredi le 3 juillet. Donc, le dossier suit son cours. Merci. Merci beaucoup. Alors, M. Laflamme. Je suis désolé, mon micro était fermé. Bonsoir tout le monde. Simplement pour dire de mon côté, au niveau de mon comité de la régie intermunicipale Beauce-Amiens, je n'ai pas eu de rencontre dernièrement. La prochaine, elle s'en vient bientôt. Puis, simplement pour vous dire, au niveau du motel industriel, il y a un local de vacant, donc il est disponible. C'est tout pour moi. Parfait, merci. Monsieur Bernard. Pour ma part, on a eu une réunion régie intermunicipale de région Thetford. On a eu le rapport financier de 2 130 000. Ils parlaient aussi de la facturation pour les matières dangereuses. Puis, ils ont un projet d'éco-centre aussi régional qui nous a été offert, mais on va en discuter plus pour avoir les plus et les moins. Après ça, pour les pompiers, ils ont eu 5 appels au mois de juin, dont un de décarcération. À venir à date, en 2020, on a 42 appels, soit 7 de moins que 2019 à la même date. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Madame Roberge. Oui. Alors, de mon côté, ce mois-ci, on a eu une rencontre au niveau du comité des ressources humaines le 23 juin dernier. Ensuite, aussi une rencontre du comité de gestion. C'est ça. Ensuite, on n'a pas eu de rencontre au niveau du comité consultatif d'urbanisme. On devrait en avoir une, par contre, au courant du mois de juillet. Ensuite, au niveau... donnez-moi juste un instant, je vous ouvre mon document. Ça va bien, ça va bien. Au niveau le comité des jeunes élus municipaux en lien avec la Fédération québécoise des municipalités, on a eu une rencontre, notre première rencontre, le 15 juin dernier avec Samuel Poulin, le député de Beauce-Sud. Donc, on va mettre en place un plan stratégique au niveau provincial pour l'attractivité des jeunes en politique municipale pour les prochaines élections en 2021. Donc, très intéressant avec des élus d'un peu partout. On est à peu près élus et dirigeants de municipalités et de MRC un peu partout dans la province. Donc, c'est vraiment très intéressant à suivre. Et au niveau des travaux publics, je vous fais le rapport des travaux qui ont été faits. Donc, ce mois-ci, en gros, il y a eu le balayage des rues, réparation aussi au niveau de l'asphalte qui a été fait, là, entre autres, la 7e, la rue Baudouin. Et il me manque aussi une rue, là. Il y en avait une 3e que j'oublie. Ensuite, différents pavages aussi qui ont été faits là, un peu partout. Ensuite, le nettoyage du réseau d'eau qui est commencé. Puis il y a eu des travaux aussi de fait là, beaucoup sur, au niveau de l'eau potable, donc entre autres au réservoir PP1. Donc, puis différents travaux d'entretien là, général là, dans la municipalité. Donc, en résumé, là, c'est les travaux qui ont été faits pour le secteur des travaux publics. Fait que ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup. De mon côté, comme maire, il y a eu une rencontre avec Serviteur de Jésus là, pour le devis là, avec le garage incendie. Des démarches se poursuivent. Marco était présent, entre autres, avec moi là-dedans. Il y a eu un conseil des maires le 10 juin. Le 11 juin, il y a eu une rencontre avec Desjardins. Là, dans le fond, j'ai rencontré M. Cliche là, pour voir les différentes subventions disponibles là, pour l'avenir, pour le développement de Tiburoton.
Ensuite de ça, le 16 juin, j'ai une rencontre de l'Office d'habitation des Appalaches. Il y en aura un autre prochainement. Le 22 juin, une assemblée spéciale bon, qu'on a fait ensemble. Bon, on en a parlé tantôt, ressources humaines, comité de gestion avec Émilie. Ensuite, il y a eu une rencontre le 25 juin où on a souligné les 30 ans de service de Mme Manon Vachon comme directrice générale. Fait que je tiens à le souligner officiellement. On remercie beaucoup pour votre travail au cours des 30 dernières années pour notre municipalité, Mme Vachon. Merci beaucoup. Fait que, au nom de l'ensemble du conseil. Ensuite de ça, ça fait le tour en ce qui me concerne pour le mois de juin. Fait que merci tout le monde. Alors, on va y aller avec le point 5. Les comptes à payer au niveau des affaires administratives pour juin. Alors, considérant que des listes de comptes et de dépenses datées du mois de juin ont été préparées, considérant que ces listes ont été transmises aux élus avant la dite assemblée, considérant que des explications ont été données sur les différents comptes à payer, il est proposé là, par les conseillers d'approuver un montant de 307 228,08 incluant le paiement des comptes à payer et les paiements directs du mois de juin 2020 au montant de 262 568,11 et 44 659,97 pour les prélèvements de salaire de juin qui est également à être approuvé. Alors, c'est proposé par... José Saint-Pierre, est-ce que... Oui, c'est ça. Oui, c'est bon. Je n'étais pas sûr. Merci. OK. Ensuite, en 5.2, la résolution par rapport à la participation au transport adapté. Alors, il est proposé là, par les conseillers que la municipalité d'Isbretonne participe au transport adapté de la région de Tête-Forme et accepte de contribuer au service de transport adapté pour l'année 2020 au montant de 2,51 par habitant, soit pour un nombre de 2190 habitants pour une contribution totale de 5 496,90. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. OK. Il y avait aussi dans cette résolution-là, M. Lessard, hein, que les prévisions budgétaires soient adoptées telles que présentées par l'organisme et que la ville là, de Tête-Forme agisse comme organisme mandataire tel que désigné là, par l'Assemblée générale des municipalités. Fait que ça vous convient toujours, M. Lessard? Parfait, merci. C'est proposé par M. Pascal Lessard. Alors, en 5.3, la refonte du site Web là, par rapport au forfait entourage. Il est proposé par les conseillers d'accepter la proposition de numérique.ca pour le forfait entourage au coût de 1 500 $ par an pour la refonte du site Web de la municipalité, incluant une formation d'une durée de 3 heures ainsi que 2 heures de support technique chaque année. La proposition débutant en juillet 2020, la facture 2020 sera au prorata mensuel facturé à 125 $ par mois payable immédiatement. Par la suite, une facturation annuelle au coût maximal de 1 500 $ sera applicable, payable au début de l'année. Le minimum d'engagement est d'une durée d'un an. Outre la refonte initiale du site Web, de nombreux nouveaux outils et formulaires seront disponibles sur la future version du site Web. De plus, le coût annuel inclut l'hébergement du site, l'abonnement au système d'envoi, d'infolettes et 5 boîtes de courriel. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci. Ensuite, en point 6, on a nos correspondances. La ministre déléguée de l'Éducation nous a écrit là, suite à l'annonce de l'ouverture des camps de jour dans toutes les régions à compter du 22 juin pour l'accès gratuit aux infrastructures et des établissements scolaires. La Fédération québécoise des municipalités nous a transmis une lettre qu'elle avait reçue de la ministre Guilbeault, l'informant du report des échéances de paiement pour les services de la Sûreté du Québec là, par les municipalités pour l'année 2020. Il y a la Fondation québécoise du cancer qui nous a fait parvenir de la documentation sur une campagne annuelle afin de recueillir des dons. Le comité organisateur de la Ligue de Spikeball, d'Isbretonne, nous a fait parvenir une demande d'autorisation pour débuter la saison de Spikeball sur le terrain de baseball du Parc Oasis les lundis soirs à compter du 29 juin dernier, tel que confirmé par le directeur des loisirs au comité organisateur. Le conseil municipal est en accord et un contrat sera signé avec le comité organisateur établissant les modalités à respecter. Il y a eu 4 familles bretonnaises dont les enfants jouent à la ringuette à Tête-Forme qui avaient demandé qu'une entente soit établie entre la ville et la municipalité afin d'éviter de payer leur somme pour l'inscription de leurs enfants.
Fait que, bon, nous, on a comme à ce niveau-là refusé, là, dans le fond. Hein, c'est, est-ce qu'il y a une proposition pour le refus de cette demande-là, considérant qu'on ne paie pas, là, comme conseil municipal, les frais, là, pour les loisirs à l'extérieur de la municipalité d'Isbrotten. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer ce refus-là? Est-ce que c'est proposé par quelqu'un, le fait qu'on ne veut pas avoir à payer les frais pour les inscriptions dans les autres villes qu'à Isbrotten? Proposé par M. Pascal Lessard. Alors, il a levé la main, même si le micro était fermé, on a vu tout le monde qu'il a proposé officiellement. Ça va pour tout le monde? Merci. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, le MMH, nous a fait parvenir une lettre nous avisant que la deuxième portion du programme de péréquation serait versée au début de juillet, là, ce qui représente le dernier versement là, qu'on a eu un peu à l'avance. Le président de l'Association de pêche du lac Boston qui nous a fait parvenir une copie conforme de la lettre que l'association a fait parvenir à la régie intermunicipale Beauce-Amiens. Celle-ci demandait à la régie de faire enterrer le lac bleu situé sur les halles de résidus d'amiante de l'ancienne mine de Carré. Selon leur lettre, ces lacs bleus, en plus de représenter un danger pour les gens qui s'y aventurent, amènent beaucoup de curieux et nuisent à leurs activités du sentier des mineurs et du lac Boston. Alors, il y a une correspondance aussi qu'on a reçue de la part du comité démolition, excusez, d'Isbrotten, concernant le chaude bleu et la démolition. Alors, on en a parlé en conseil, puis il est proposé par les conseillers de suivre les directives de la santé publique concernant les règles qui en ce qui concerne les rassemblements qui ne sont pas autorisés d'ici le 31 août. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. D'accord, merci. Ça va, Mme Vachon? Oui, merci. Ensuite, en point 7, loisirs et culture, le permis de réunion pour le parc Oasis. Il est proposé par les conseillers que la municipalité d'Isbrotten entérine la lettre signée par la direction générale à faire une demande de permis de réunion pour toutes les activités ayant lieu au parc Oasis. Le coût du permis est de 265 $. Le conseil municipal autorise également la consommation d'alcool sur le terrain du parc Oasis lors des activités inscrites sur la demande de permis de réunion. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci beaucoup. Ensuite, en 7.2, l'embauche du coordonnateur de soccer. Attends, je vais prendre un petit peu d'eau. Alors, attendu que M. Samuel Clich a été coordonnateur au soccer dans les années précédentes et qu'il a répondu aux exigences, il est proposé par les conseillers et conseillères, bien sûr, d'embaucher M. Samuel Clich à titre de coordonnateur au soccer. M. Clich est embauché pour un terme de 8 semaines, selon le nombre d'heures requises pour effectuer le travail, et ce, pour la période estivale 2020, au taux horaire de 15 $, 10 $. C'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. Ensuite, en 7.3, la tarification de l'inscription au soccer. Attendu le retard pour débuter la saison de soccer en raison de la pandémie. Attendu que la saison de 2020 sera sous forme amicale. Attendu le nombre restreint d'équipes. Attendu le désir d'avoir un tarif similaire aux autres équipes de la Ligue de soccer. Attendu le désir d'utiliser seulement un terrain afin d'améliorer une partie du terrain de soccer. Il est proposé par les conseillers d'établir le tarif à 35 $ par jeune pour la saison de soccer 2020. C'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. En point 8, les travaux publics. Le dépôt à neige usée pour l'offre de service, considérant l'offre de service reçue de SNC-Lavalin au montant de 20 240 $ plus taxes pour la réalisation des plans de vie et demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques pour la conception d'un site de dépôt à neige. Et en conséquence, il est proposé par les conseillers conseillères d'accepter cette offre de service et ce, afin d'avoir les autorisations nécessaires pour la prochaine saison hivernale. Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci.
Ensuite, l'autorisation de signature pour l'offre WSP concernant considérant la subvention qu'on a reçue de la Fédération canadienne des municipalités, considérant l'offre de service de WSP pour finaliser les documents à compléter et faire la reddition de compte pour le PGAM à la Fédération canadienne des municipalités 2020. En conséquence, il est proposé par les conseillers et conseillères d'accepter la proposition de WSP au montant de 1140 $ plus taxes pour une journée et demie d'accompagnement pour compléter le formulaire et rédiger le rapport pour la demande de subvention pour la gestion des actifs municipaux du MAMH et de la FCM, la Fédération canadienne des municipalités. Proposé par Émilie Roberge. Merci. En 8.3, l'entretien des espaces paysagers. Attendu la réception de deux soumissions suivantes, SNRP incorporé à 38,50 $ et Centre de jardins et travaux Pamaka à 39,50 $ pour l'entretien paysager dans divers secteurs de la municipalité pour une durée indéterminée à tarif horaire pour des travaux de début de saison et d'entretien régulier sur demande, attendu la politique d'achat qui favorise l'achat local lorsque l'écart est inférieur à 10 %. En conséquence, il est proposé par les conseillers et conseillères d'accepter la soumission du Centre Jardin et Travaux Pamaka au coût de 39,50 $. C'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci. En 8.4, l'embauche d'un journalier d'entretien général. Alors, attendu l'affichage du poste de journalier d'entretien général suite au poste vacant laissé par M. Étienne Gagné, attendu la réception de la candidature de M. Sylvain Lessard, il est proposé par les conseillers et conseillères de procéder à l'embauche de M. Sylvain Lessard comme journalier d'entretien général. Alors, c'est proposé par Mme Émilie Roberge. Merci. En 8.5, l'affichage d'un poste de journalier d'entretien général à temps partiel. Attendu le poste de journalier d'entretien général à temps partiel laissé vacant par M. Sylvain Lessard, il est proposé par les conseillers et conseillères d'afficher le poste de journalier d'entretien général à temps partiel dans les médias habituels du Courrier Frontenac, Emploi Québec, site web et page Facebook de la municipalité. Alors, c'est proposé par M. Pascal Lessard. Merci bien. En 8.6, l'acceptation de soumission de pavage. Attendu la réception de trois soumissions pour le pavage. Pavage Jean-Luc Roy à 7 358,40 $, taxes incluses. Asphaltage Langlois incorporé à 8 048,25 $, taxes incluses. Et asphaltage Nicolas Lachance incorporé à 10 419,61 $, taxes incluses, pour des travaux de pavage sur la 7e rue Ouest et sur la rue Baudouin, attendu que la soumission la moins coûteuse est celle de pavage Jean-Luc Roy incorporé. En conséquence, il est proposé par les conseillers et conseillères d'accepter la soumission de pavage Jean-Luc Roy incorporé au coût de 7 358,40 $, taxes incluses. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Merci bien. En 8.7, l'acquisition d'une tablette pour la gestion des actifs. Attendu la réception des deux soumissions suivantes, Hypertech à 4 638,09 $ et Informatique InPro à 5 665,74 $ pour l'acquisition d'une tablette électronique dite militaire qui servira à la gestion de nos actifs. Attendu que la soumission la moins coûteuse est celle de Hypertech. En conséquence, il est proposé par les conseillers et conseillères d'accepter la proposition de Hypertech pour une tablette Panasonic FZ-G1 au coût de 4 638,09 $, taxes incluses. C'est proposé par? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose cette tablette-là militaire parmi vous? Monsieur Pascal Lessard, merci. Ensuite, l'acceptation pour la soumission de lignage des rues. Alors, attendu la réception des deux soumissions suivantes, Duraling pour 5 425 $ plus taxes et Durand Marquage et Associés incorporé, 7 300 $ plus taxes pour le lignage des rues, attendu que la proposition de Duraling est la plus économique. En conséquence, il est proposé par les conseillers et conseillères d'accepter la soumission de Duraling au coût de 5 425 $ plus taxes.
Alors, c'est proposé par Mme Josée Saint-Pierre. Merci beaucoup. On dit lignage de rue, mais aussi lignage de stationnement d'aréna là-dedans. Là. C'est bien ça? Oui, effectivement. OK, oui. Parfait. Merci. Ensuite, en point 9, l'urbanisme, l'avis de motion par rapport à un règlement éventuel concernant la garde de poules en milieu urbain. Alors, pour ce soir, c'est l'avis de motion qui est donné en vue d'adopter un règlement concernant la garde de poules en milieu urbain. Alors, c'est proposé par M. Marco Bernard. Merci. Ensuite, au service incendie, en 10.1, la démission d'un pompier, M. Stéphane Lessard, attendu la réception de la lettre de démission d'un pompier, M. Stéphane Lessard, à titre d'officier capitaine et instructeur, est effective à compter du 1er juillet 2020. En conséquence, il est proposé d'accepter par les conseillers et conseillères la démission de M. Lessard au sein du service de sécurité incendie d'Isbreton et Sacré-Cœur de Jésus. Il y a une lettre de remerciement là, pour les services rendus qui sera envoyée à M. Lessard. On le remercie pour ses précieux services sur un nombre d'années. Alors, Mme Émilie Roberge propose. Fait que merci beaucoup. Ensuite de ça, on a en 10.2 la nomination d'un officier, M. Labrec, attendu que M. Étienne Labrec cumule plus de 10 ans d'expérience au service des incendies. En conséquence, il est proposé par les conseillers et conseillères d'entériner la nomination d'Étienne Labrec au poste d'officier au sein du service de sécurité incendie d'Isbreton et du Sacré-Cœur de Jésus en remplacement de M. Stéphane Lessard. Alors, c'est proposé par M. Alain Laflamme. Merci beaucoup. Alors, la prochaine séance régulière du Conseil aura lieu le 17 août 2020 à 19h30. Fait qu'on va souhaiter des bonnes vacances à tout le monde qui seront en vacances d'ici là. Et la levée de l'Assemblée qui est proposée à 20h exactement. Alors, c'est proposé par Mme Annabelle Vachon. Fait qu'un gros merci tout le monde, puis portez-vous bien. À la prochaine.